Je vais parler un peu de mon drame de vie et en même temps aussi les drames de vie de mon entourage, parce qu'il n'y a pas que moi. La perte de mes parents, le décès de mes deux parents depuis l'âge de 15 ans. Donc ça veut dire que l'âge de 15 ans jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de parents. Et à vrai dire, il me manque. Il me manque. Souvent, ça me fait un peu mal, mais bon, vous savez, c'est la vie. Hein. Donc, je prends toujours la vie du bon côté. Et je prends plutôt ça pour me forger, me donner la force, pour me battre, pour mon entourage et pour mes enfants. Et je me dis, pourquoi si tôt? Pourquoi si tôt? Mais qui suis-je? Il n'y a que Dieu qui décide. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Je n'ai plus rien. Mais il continue plus de suivre mes larmes parce qu'il m'a donné ce cœur-là qui me permet de faire du bien. Et à travers ça, les gens qui me rendent ça. Donc ça m'encourage encore plus. L'accident de mon artiste. Quand j'ai vu les images, je me disais, est-ce qu'il était dans la voiture? Je suis posé plein de questions. J'ai réfléchi à plein de choses qui pouvaient arriver à mon artiste. Et quand on dit kérosène, on parle forcément d'Emma Doubré. Et vous savez très bien que il fait partie de ma vie. C'est mon frère, c'est tout ce qu'on pouvait imaginer dans ma vie. Quand quelque chose là arrivait, c'est comme si c'est moi qui mourais avec lui. Et ça m'a vraiment fait mal. Et en plus de ça, perdre ces deux voitures en même temps, c'est pas évident. Donc il y a cette partie-là qui m'a choqué, qui m'a vraiment choqué, qui m'a fait mal. Mon cœur a saigné. Mon cœur là. C'est parce que vous ne voyez pas mon cœur, sinon j'avais très mal. Mais Dieu, par sa grâce, comme les miséricordes, il a regardé ce cœur-là et le cœur de l'artiste pour dire non, toi pourquoi je t'envoie cette terre-là. Tu n'as pas encore fini. Donc tu diras nulle part. Et Dieu a fait grâce. Il n'a rien eu. Il n'y a pas que lui. Il y avait des personnes qui étaient dans la voiture. Plus les deux voitures étaient occupées par des gens. Et ces personnes aussi n'ont rien eu. Donc, je rends gloire à Dieu. Je lui dis merci pour ces vies-là qu'il a sauvées.